Rendez-vous info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizet. Aujourd'hui, c'est lundi 29 juillet 2024. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour nous ensemble, pour nous présenter un programme dans langue créole haïtienne. C'est premier sorti, rendez-vous info, quelques grands points, cap dominé actualité. Au Venezuela, Conseil national électoral a déclaré président Nicolas Maduro vainqueur. Opposition a crié coquin. États-Unis et plusieurs pays dans l'Amérique latine ont réagi. Actualité électorale là aux États-Unis, candidat parti républicain Donald Trump et vice-président démocrate la Kamala Harris lancé attaque yon sous l'autre pendant campagne. En Haïti, dossier corruption dans mitan conseil présidentiel transition provoqué en pile réaction. Et puis jeudi lundi, c'est quatrième journée Jeux Olympiques. Conseil national électoral a déclaré Nicolas Maduro vainqueur avec 51% voyo et 44% adjoint rivalien en parlant de Edmundo González. Il y a plusieurs réactions qui sont notamment le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui posait en pile question sur le résultat élection. Et il y a 9 pays dans la région Amérique latine, notamment Chili, et au même tout, il y a posé question même genre avec l'Union européenne. C'est un dossier qui est très chaud dans la région Amérique latine, n'a pas pour nous tourner la donne. Et actualité électorale ici aux États-Unis, il y a un candidat pour parti républicain, ancien président républicain Donald Trump, avec vice-président démocrate Kamala Harris, eh bien, ils ont tous les deux mené campagne et yon a attaqué l'autre en allouant ça, puis bien, avec Valerio Saint-Louis. Dans mon moment qui 100 jours pour l'élection générale déroulée ici aux États-Unis, représentant présidentiel Parti républicain Donald Trump augmenté attaque Lio contre candidat présidentiel Parti démocrate là, vice-président Kamala Harris, pendant un meeting de mars qui déroulé dans Saint Cloud, dans l'État Minnesota. Candidat républicain déclaré, je dis à nous gagner une nouvelle victime qui est Kamala Harris. Nous gagnons une nouvelle, lui déclaré en moi. Nous gagnons une victime tout neuf. Honnêtement, c'est un radical gauche qui gagne un problème mental. Vice-président Kamala Harris répond Trump kiff-kiff pendant l'étape menée en campagne dans Pittsfield, dans l'État Massachusetts. Nous sommes capables de remarquer Donald Trump a baillé une série menti sur le dossier. Quelques familles s'allient même avec candidat pour vice-président Abdio Pachita Souhain. Campagne Arista a déclaré ancien procureur a ramassé 200 millions de dollars depuis jour président Joe Biden a endossé vice-président pour une nomination Parti démocrate là. 66% parmi eux, c'est pour la première fois qu'ils contribuent dans la campagne là. Gouverneur New Hampshire, républicain Chris Sununu, dit qu'il espérait contentement qu'il gagne jeudi à sous-candidature Arista à diminuer d'ici 30 jours. Il conseille campagne Trump, Jedi Fensan, pour qu'il y ait ferme sous politique au lieu pour y lancer attaque personnelle. Stick to what's driving anxiety. People have anxiety right now because they can't pay their bills. They have anxiety because they don't feel safe in their home or la pérèse à cause de pas capable payer facture. Yo gagne anxiété à cause de pas sentir en sécurité la caillou ou bien la communauté. Ça yo c'est ça qui capable faire sortir à voter pour Trump en novembre. Gouverneur démocrate état-américain Westmore déclaré « Dico et vision Arista pour l'avenir pour aider l'encourager électeurs indécis à voter en faveur dans l'État qui est capable de balancer les résultats électoraux dans un camp ou bien dans l'autre là. » I think what people are saying now is we can finally have a conversation about the choice that people have in this election. Capable finalement gagner une conversation sur choix peuple a gagné dans l'élection. Ça peuple là ouais qui pas seulement démocratie qui en jeu, mais tout principe de base avec façon nous penser sur l'économie. Vice-président Kamala Harris capable annoncer candidat pour poste vice-président avant déroulement convention Parti démocrate là en août prochain dans Chicago. June Speakman, professeur de sciences politiques dans Roger Williams University, qui est en même temps un législateur dans l'État Rhode Island, déclare geographically is often the way it's done. Candidat d'habitude choisi un vice-président qui est capable de balancer ticket. Géographiquement, c'est comme ça qu'on fait souvent. On choisit un candidat qui sortit dans le centre-ouest là, qui est capable d'aider le jeune, voire autrement, il n'y a pas de jeune. Trump balance ce ticket là avec un candidat qui peut gêner passer.
Harris gagne une semaine chargée devant avec meeting qui pour le faire dans Atlanta, Georgie. Trump avec Odyssey Lag pour mener campagne dans Pennsylvanie et dans Nevada avec Arizona dans le jour qu'a venu là d'après site internet campagne partie. Véronique Abalderas, c'est qui texte ça pour celle des Nouvelles Voix de l'Amérique là. Et moi-même, Joël Philippe, t'es traduit et adapté pour service créole Voix de l'Amérique là, depuis État Maryland. Donc, actualité électorale là, ici aux États-Unis, c'est Jean-Robert Philippe avec Jean-Robert Philippe. Et gros rendez-vous qui gagne dans le cadre d'actualité électorale là, ici aux États-Unis pour l'année 2024 là, c'est le Congrès national Parti démocrate là qui gagne pour dérouler dans la ville Chicago, dans l'État Illinois, sorti 19 pour arriver 22 et qu'on y a nous prenons région Moyen-Orient côté que Israël subit yon gros attaque et yon dit que y a pour répondre avec un pile fermeté. Valérie Saint-Louis depuis New York. D'après officiel pays Israël, samedi passé, une fusée iranienne modèle Fala qui t'est tiré sorti dans pays Liban, t'est tombé sur un terrain football dans ville Majdal Shams, dans zone Golan. Elle t'est touillé 12 petits garçons, actifi et blessé environ 30 autres. Mouvement libanais a été démenti que était derrière attaque ça, mais il était déclaré que il était lancé une fusée roquette dans direction position militaire israélien dans zone Golan en réponse à la mort 4 combattants liés qui étaient morts samedi. Depuis le commencement de la guerre dans Gaza qui était déclenchée par attaque sans pareil ça que militants Hamas ont fait sous peuple Israël là dans date 7 octobre là, Hezbollah a lancé des attaques presque chaque jour contre pays Israël sorti dans sud Liban en support à alliés palestiniens liés. Peuple Israël là lui-même te répond avec des bombardements ciblés dans fin fond pays Liban côté qui ont visé officiel Hezbollah. Violence à travers frontières a tué au moins 527 monde dans pays Liban depuis date 8 octobre là. Puis faut là c'est des combattants Hezbollah mais ils la donnent tous 104 civils selon ça yo des comptes agence AFP te fait. Sous bois israélien, 22 soldats avec 24 civils t'est mouri d'après autorité. Face à gros tension qui t'a augmenté dans zone nan dimanche, compagnie aérienne nationale libanaise, Moyen Orient Airlines, t'est annoncé renvoi plusieurs vols pour aller au soir sorti dans Beyrouth nan dimanche nan aswe ak jodi lundi. Peuple Israël a cementé pour tirer vengeance après missile ça qui détruit 12 timoun dans quartier Golan. Ministre défense israélien Yoav Gallant hier dimanche te promet pour frapper l'ennemi en fort. Iran bon côté parle te averti peuple Israël là que n'importe nouveau attaque militaire dans pays Liban capable gagner des conséquences imprévues. Bon côté parle secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres condamné attaque roquette fusée. Il y mandé toute partie pour y opposer et faire le maximum de contraintes. L'armée peuple Israël l'a qualifié Zaksa de attaque qui pire mortelle sous civils israéliens yo depuis attaque 7 octobre là qui était commencé la guerre dans Gaza et qui était déclenché échange gros coups d'armes régulièrement à travers frontières libanaises. Peuple Israël l'a blâmé mouvement Hezbollah dans pays Liban pour attaque ça. Bon côté parler, secrétaire d'État américain Anthony Blinken t'a réagi pour le dire. And every indication is that indeed the rockets were or the rocket was from Hezbollah. Toute indication montrait que missiles qui tombaient sous quartier Golan étaient tirés par Hezbollah libanais. There is no justification. Pas gain aucune justification pour zak terroriste ça yo. Et puis toute indication fait quoi que fusée au sorti dans Hezbollah ou soit originio sorti dans Hezbollah. C'est comme ça Anthony Blinken t'est parlé dans une conférence pour la presse depuis Tokyo. Yon lot bord, premier ministre israélien Benjamin Netanyahu t'est obligé retourner dans pays Israël bien bonheur sorti aux États-Unis. Les rivaux étaient allés immédiatement dans une réunion cabinet sécurité pays a selon sa bureau li fait connait. Netanyahu t'est dit que Hezbollah pral payer un gros prix pour attaque ça, un prix que le pas jamais payé avant. Ministère des Affaires étrangères israélien dit que Hezbollah t'est traversé toute ligne rouge yo, et yo t'est mettre retourne vengeance pays Israël. C'est comme ça que beaucoup t'est parlé Hezbollah lui-même évacué plusieurs positions troupes yo sous frontière ak nan l'est Liban. D'après ça, une source qui proche groupe là t'est fait qu'on est pour VOA Creole. Valerio Saint-Louis, New York. Vous suivez VOA Creole, vous suivez un programme dans langue créole haïtien, pas déplacé. Actualité dans le pays d'Haïti, trois membres dans le conseil présidentiel transition en bas accusation corruption. C'est un dossier qui est ouvert depuis quelques jours, même et semaine même, gan pile réaction qui tombait. Et d'abord, nous parlons en pile là-dedans. Par exemple, gen met André Michel, qui a annoncé signateur accord 21 décembre, a fait consultation dans l'idée pour prendre une décision concernant scandale corruption qui impliquait représentant yo dans CPTA, docteur Gérard Gilles. Détail, Yves Manuel. Porte-parole SDP, M. André Michel, dénoncé scandale corruption qui impliquait trois non-conseillers présidentiels. M. André Michel m'a dit pour vérité faite.
sous scandale ça côté chaque moun yo doit prendre responsabilité yo. Yon l'autre côté signataire accord 21 décembre nan révélé gen consultation ka fait actuellement entre signataire yo dans l'idée pour arrêter une décision concernant docteur Louis Gérald Gilles qui gen non cité dans scandale corruption an, et qui se représentant 21 décembre nan conseil présidentiel transition an. Je poursuis les consultations avec mes amis du 21 décembre. Moi dire que le premier signataire du consensus du 21 décembre s'appelle le docteur Ariel. Mbala avait là deux reprises ou bagay sta, Mouel bouleversé. Et plusieurs autres mondes, pour comprendre quelle décision pour nous prendre dans la concertation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, automatiquement, nous filmons les consultations, nous prendrons telle décision qu'il appartiendra dans le respect de la moralité qui doit caractériser un processus de transition, en tout cas, mettez tout le monde en confiance, et n'a pas ni au-delà de toute considération partisane, de toute considération de chapelle. N'a pas rappelé président conseil BNCA, Raoul Pierre-Louis, révélé trois conseillers présidents, Emmanuel Vertilet, Smith Augustin, avec Dr. Louis Gérald Gilles, mandé 100 millions goud pour Kembel nan poste li pendant yon réunion. Conseil sa yo voye jete accusation sa côté yo dénoncé manœuvre nan l'idée pour discréditer conseil présidentiel lan et simè confusion nan mitan population. Nan on lettre tout l'ouvri li adressé à Premier ministre Gary Conille 24 juillet 2024 lan, Raoul Pierre-Louis, président conseil administration BNC1, mandé PM nan pour renforcer sécurité après dénonciation conseiller sa yo nan question corruption. Raoul Pierre-Louis doit répondre mardi sa question enquêteur ULCC yo. N'a souligné tout nan même journée mardi an, conseil présidentiel transition prévoit une conférence pour la presse. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Donc dossier n'a continué surtout que demain gain deux gros rendez-vous. Pendant ce temps gain bureau suivi à Comontana BSA qui mandé tout membre conseil là que non cité dans question corruption yo et ben pour yo même pour ka bay démission yo une façon pour ka aider la justice fait travail yo nous va joindre Ronald Toussaint depuis Port-au-Prince. D'après une note bureau suivi à Comontana publiée, une note qui portait signature professeur Jacques Ted Syndic, Magali Komo-Denis, Adjinette Chérubin, pour citer ça ou seulement, toute partie politique ou bien regroupement signataire à 3 avril 2024 là, doit lever campé pour forcer délégué au gagnant dans le conseil présidentiel transition qui gagne non yo cité dans le scandale corruption pour faire retrait dans structure ça pour permettre à ce que la justice haïtienne mène enquête li sans problème. Toute autorité qui indexée doit retirer koyo pour yo pas gêner travail la justice à l'autre organe qui l'a pour goumer contre corruption et impunité, toujours c'est le note BSA qui exigeait une enquête administrative et judiciaire pressée pour identifier, juger et sanctionner tout corrompu dans le conseil présidentiel transition, dans le gouvernement et dans l'administration publique là en général. En même temps, bureau suivi à Comontana plaidait en faveur publication dans le journal officiel l'État Les Moniteurs acte application accord 3 avril 2024 là li estimé qui bail conseil clair pour bataille état d'idoir en Haïti. À travers notre ça BSA dit li fixer position clair coup de locoque par rapport d'après ça dit acte scandale acte accusation corruption dans tête l'État. BSA fait connaître, les constater depuis KPTA installé dans solidarité yon ak lot, yon décidé trahir l'esprit consensus là, valeur éthique yon, respect engagement pour camper gaspillage dans l'État, pour bataille contre corruption ak impunité, pour bay victime yon justice, pour rétablir dignité l'État, yon ensemble principe qui se fondement accord 3 avril 2024 là. BSA dit au contraire, chaque semaine, c'est déblousaille population attendait en dans capité ou bien dans relation avec Premier ministre Gary Conille, sans yon pas tenir compte action yon doit prendre pour retirer pays d'Haïti dans isolement sociopolitique et économique là. Yon dossier n'a suivre, ou en a tous pour VOA Creole, Port-au-Prince.
Merci Ronan, on a continué avec plusieurs réactions qui sortit sous trois membres conseil présidentiel transition non yo cité donc question corruption et qui ça qui tournait un scandale dans mitan institution. C'est comme ça plusieurs militants politiques dans département nord pays parmi et militants ça yo gen partisans ak sympathisants petite Dessalines qui solidarisé avec conseiller président Emmanuel Vertiller et mettait en défi moun qui accusait conseil électoral pour yo pas conseil électoral mais membre conseil et présidentiel transition pour pouvoir représenter petite Dessalines dans KPTA t'al mandé l'agent vrai correspondant nous dans ville au Cap et Gérard Maxino gen détail partisans et sympathisants petite Dessalines qui sorti dans différents communes dans département Nord pour te soutenir by conseiller président met Emmanuel Vertiller qui gen nol mêlé dans dossier BNCA coordonnateur petite Dessalines dans département Nord Wesley Pierre mandé moun ki akize trois conseillers vini ak prèv côté représentant petite Dessalines nan KPTA t'al mandé l'argent président Vertiller bien campé petite Dessalines di yo solidaire avant jusqu'à vous que yo vini avec des preuves yo justifier ça yo dit si yo pa prèv fè arrêté yo tout ah oui seigneur on dit ça. Nous t'invitons, représentant communio, puis on est capable de saisir. Puis on va prendre une euphorie média qui oriente, qui est capable de faire nous soulever. Nous disons Préval Odino, c'est porte-parole militant ça. C'est un complot, nous croyons que bourgeois ensemble avec PM Garikoni mettent ensemble pour écraser complot, pour écraser conseil présidentiel là, c'est une façon pour gagner un roi, yo mettez Garikoni même gens yo te fait pour Ariel Henry qui mettait pays dans circonstances qui lié la journée aujourd'hui. En vérité, nous sommes montés 7 fois, 77 fois, complot ça pas passé dans le pays. Protestataires ont menacé pour bloquer le département Noir. Si toutefois, ils arrivent à un grand cheveu, mais Emmanuel Vertiller, qui a décrit un coup, ils ont intègre, ils ont propre, ils ont petit département Noir. Gérard Maxine au Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique. Et puis, il y a un conseiller président Smith Augustin qui parmi trois membres du conseil présidentiel transition que nous citons cité dans la question corruption, lui-même qui était bail un point de presse parce que l'Italie dans le pays, la France, dans l'occasion des Jeux Olympiques, et le retour de bail un point de presse, il était tout profité dans l'occasion pour te démenti à l'accusation ça, et il dit que le pagan n'y rien pour loin, ni de près, ni de loin, avec un cause comme ça. En tant que déclaration, dans l'aéroport international, tout ça l'ouverture. M'a dit nous que moi-même pas rien pour moi ni de près ni de loin non question comme ça. Mais équipe juridique moi sous pied et la répondre pour que monde qui accusé nous yo même yo porter preuve et si on va porter preuve n'a prendre des mesures que la loi prévoit pour ça. Même à profiter remercier famille proche moi qui était solidaire avec moi et qui pas jamais douté une seconde que me déclarer impliqué dans bagarre comme ça. Ma première c'est tout équipe politique, moi secrétaire général parti politique et des dirigeants plateforme résistance démocratique RED et plateforme compromis historique pour support et renouvellement confiance. Ma quoi pays a besoin scandale de plus, ma quoi pays a besoin faire politique là comme ça dans des trucs caractère monde, nous besoin faire politique là autrement. Et me penser nous besoin focus sur ça qui est important journée jodi a. Qui c'est question sécurité, question la vie chère, question grand goût, question travail. Et sur ça, moi-même, ma focus, et sur ça, vraiment, ma travail, et pas aucune rumeur, surtout des rumeurs infondées,
cap distrême sous travail ça me pour me faire. Donc c'était conseiller président Smith Augustin qui parlait concernant au point de presque le bail l'ité bail jodia dans aéroport Toussaint Louverture côté que l'ité parlé de voyage qu'il était fait dans pays la France dans occasion Jeux Olympiques qui a déroulé dans ville Paris dans pays la France et pendant nous dans pays la France pendant dans ville et Paris eh ben nous pral rejoindre Fred Kaimit qui même pral ba nous quelques résultats dans Jeux Olympiques. Mais quelques résultats aux Olympic Weekends. Dans tennis, Djokovic élimine Nadal dans le deuxième tour tournoi. Côté de Batli 6-1, 6-4. Et puis dans partie féminine, nous avons Coco Gauff, le même côté pal qui bat l'Australienne, Adja Tomasinovic 6-3, 6-0. Et il peut aller dans le deuxième tour. Dans le basket, nous avons équipe française qui bat l'équipe Brésil là, 78-66. Et puis après, nous avons États-Unis qui bat la Serbie 110-84. Football féminin, mesdames américains, yo, bat Allemagne 4-1 dans Marseille. Merci Fred Kaimit et n'a pas rappelé qui Jean et classement médaillé et ben les États-Unis toujours dans tête avec 14 médailles, il gagne 3 médailles d'or, 7 argent et 4 bronze. En deuxième position nous joignent pays organisateur et la France qui gagne et 13 médailles parmi eux 4 or et puis gagne Japon qui gagne 11 médailles parmi eux gagne 5 en or donc c'est ligue plus médailles en or même gens avec la Chine qui gagne 9 médailles parmi eux 9 médailles d'or et puis gagne la Grande-Bretagne qui gagne 9 médailles 2 médailles d'or gagne et République Corée qui gagne 9 médailles 5 médailles d'or gagne Australie 7 médailles 4 en or gagne Italie 6 médailles en or Canada 4 médailles en or et puis le Brésil qui gagne 3 médailles et puis 0 en or. Avant cérémonie ouverture Jeux Olympiques 2024, on dit que président Emmanuel Macron est rassemblé dans le palais Élysée à presque 300 chefs d'État avec invités d'honneur dans un dîner pour base la paix à réconciliation Franklin Edward G. Dems depuis Ville Paris. Jeudi, nous trouvons au sein du palais de l'Élysée, côté que le chef de l'État français l'y invité différents homologues, c'est-à-dire l'autre chef d'État par Elio, qui participer dans un dîner, dans une réception, en amont avec l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques 2024 à Paris. À peu près 300 chefs d'État et invités d'honneur viennent participer dans le dîner. Objectif réception ça dans le palais de l'Élysée, c'est une façon pour le président Emmanuel Macron et le gouvernement liant délivrer un message de paix et de tolérance. 10 500 athlètes a participé dans les Jeux Olympiques 2024. Athlètes haïtiens y compris. Représentants dirigeants haïtiens tout est là, y compris chargé d'affaires haïtiens dans l'ambassade d'Haïti en France. Là. On a parlé de Louis Novolsi. Participation athlètes haïtiens, que ce soit dans l'habillement ou bien de par présence dans la compétition, fait belle impression sur le public. Là. C'est exactement ce que j'ai dit parce que j'ai été surprise de constater que Haïti, un pays qui connaît de nombreux troubles politiques, sociaux, sociétaux, et donc puisse être représenté ici à Paris pour Paris 24, avec je pense 7-9 athlètes, c'est bien ça, avec des disciplines comme la natation, la boxe et puis d'autres. Voilà, ça a été ma grande surprise en comparaison à d'autres pays africains. La France fait bel visage pour l'organisation des Jeux Olympiques. Moun sorti tout partout à exprimer l'amour pour Ville Lumière, Ville Paris. Hello girls, how are you? How are you doing? Good, thanks. Good. Are you coming just to Paris for the Olympic Games? Yeah, we just here for the Olympics. Do you enjoy it? Yeah. It's good, but we don't really know where to go at the moment. It's good to be here. Good to be here. Yeah, you love Paris? Yeah, we love Paris. Yeah, it's a Thank lovely city. Much. Thank you very much. Okay, ciao. Je viens de Burkina Faso. De Burkina Faso. Spécialement pour les Jeux Olympiques. Et vous allez profiter des Jeux aussi. Bien sûr. Ça vous plaît, les Jeux Olympiques? Oui, c'est bien. Oui, on adore Paris. Et on espère qu'on va rapporter beaucoup de médailles. Beaucoup de médailles. Je suis venu à Paris. Vous êtes venu spécialement pour les Jeux Olympiques? En fait, oui. Vous êtes venu d'où? On vient de la Belgique. La Belgique. Pour quelque chose, on est venu en vélo. En vélo? Oui. On a fait 300 kilomètres, 3 étapes, donc on est venu par en vélo. Combien de jours avez-vous passé? 3 jours. Cognard, c'est un, n'apprête un, qui est un athlète nous yo, qui a fait nous décocher une médaille. J'aime Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, créole.
Donc, Belgique, Paris, en vélo, donc il faut le faire. Et puis, tant qu'on te promet, nous, on a retourné sur dossier Venezuela, côté élection déroulée hier, et conseil électoral là, il bail Nicolas Maduro vainqueur, mais opposition lui-même, il conteste résultat, et grand pile, communauté internationale là, gain réserve sur ça, en alloué ça, puis bien avec Serge François Michel. Conseil électoral national, la CNE, publié résultat li 6 états après bureau voiture te fermé. Côté Lidi, Maduro gagne 51% voix, comparé à 44% pour candidat opposition à Edmundo González. Officiellement, le président CNE a déclaré Maduro comme gagnant dans l'élection présidentielle là, que l'opposition a contesté. Maduro joignait un autre mandat 6 ans, ministre défense, communication, technologie avec leader assemblée nationale là. T'es parmi les gens qui étaient présents, qui t'a battu bravo, et à la tête CNEA, t'es fait annonce là. Maduro t'es parlé devant un rassemblement supporter, bonnet jeudi lundi, à côté de promet la paix et la sécurité. Je le dis au peuple de Venezuela. Trataron hoy d'impedir el boletín. Lidi, il y a un triomphe indépendance nationale, là. Dignité peuple Venezuela. Sanctions pas tassé, agression pas tassé, menaces pas tassé. Y'a pas tassé, je n'ai jamais dit, y'a pas chamassé devant dignité peuple Venezuela. Les rejetés critiques étrangers pendant la présentée autorité élection Venezuela qui en bas contrôle monde qui fidèle à Maduro comme pire légitime par ce système dans l'autre pays tant qu'aux États-Unis. Leader opposition Maria Corina Machado restait résultat CNE a annoncé à côté Mamzel dit Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta élection. Au lieu de ça, González gagne l'élection à 70% voix. Les dit, dans le jour qui vient, nous pouvons continuer à annoncer action pour défendre la vérité. Parce qu'elle nous dit, jusqu'à la fin. Et fin, c'est pour la vérité qui pourra le passer. Et puis, respect pour volonté peuple souverain. Qui parle aujourd'hui et choisit Edmundo González Urrutia comme nouveau président de Venezuela. González, c'est un diplomate retraité qui était entré dans la fait campagne en avril passé après coup suprême Venezuela, t'es bloqué Machado pour non le pas écrit sous bulletin vote. Moun qui t'es saut de voter, qui t'es répondre une question, t'es montré González devant avec 65% voix et seulement yon t'y crasse plus bas que 14% pour Maduro. Secrétaire d'État États-Unis Anthony Blinken dit jeudi lundi, pendant le dîner Japon, que Washington gagne gros qu'est sauté sous résultat CNE annoncé. Lydie. We applaud the Venezuelan people for their participation in the July 28th presidential election. We commend their courage and commitment to democracy. Nous battons bravo pour le peuple Venezuela pour participation à l'élection malgré répression et calamité. Nous avons une grande inquiétude pour connaître ce que le résultat reflète volonté peuple avec bulletin vote. Président Chili Gabriel Boric qualifie le résultat élection comme quoi li difficile pourquoi. Boric dit sur réseau social X, peuple Venezuela à communauté internationale là réclamé pour responsable élection détaillé vote là processus comptage là qui donc tabulation et pour observateurs indépendants vérifier résultats. Ministre des Affaires étrangères Argentine, Costa Rica, Équateur, Guatemala, Panama, Paraguay, Pérou, Dominicani et Uruguay parlent dans le même sens là. Serge François Michel, VOA Créole. Merci Serge François Michel, donc son dossier qui est ta Edmundo qui t'a remporté la victoire et communauté internationale a tout réagi. Il y a 9 pays dans l'Amérique latine, il y a les États-Unis, il y a l'Union européenne, ils ont questionné le résultat conseil là. Mes amis, c'est ton plaisir. Comme d'habitude, pour nous te servir, c'est premier sorti nous. Pour ce maintenant, nous remercions Nelson qui t'a aidé nous mettre le programme ça dans l'air. Et puis, Mark Hervé Abela et puis Samblier Chang Wang, bons amis nous. Et puis, moi, c'est Jacqueline Belizère. Donc, pas oublier, rendez-vous, c'est pour demain. En attendant, restez sur toute plateforme nous pour dernières nouvelles cap tombé sous Haïti et sous le monde. Moi, c'est Jacques. Laissez-moi dire que la situation en lui-même par rapport à la question de sécurité n'est pas changée parce que jusqu'à présent, mon diverses localités continuent à lancer SOS, à lancer des cris d'alerte dans les autorités concernées. D'abord, dans Gantier, dans Crécier, dans Badelma, dans Cité Soleil, bon, bien que Cité Soleil, les qui ont dit qu'ils ont fait la paix, mais n'est pas vraiment clair
pour que moun ka vive dans différentes localités yo. Et surtout dans peu de choses, parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a un nettoyage qui a fait, mais qu'il y a un ensemble de zones, nous ne pouvons pas capable de retourner la CAO comme ça droit. Gen Lamor Sanjou, qui a dirigé le groupe Gang 4 Samaozo, Lamor Sanjou fait une déclaration, et c'est là que je regarde, est-ce que l'autorité qui l'a eu, n'a parlé de conseil présidentiel transition. Gouvernement Gary Conille a dirigé. Mettez avec DG Rameau Normil. Et même d'ajouter officier Kenya Kilayo, regardez est-ce que la mois sans jour, après tout pouvoir ça que lui-même pour le dire, que moun pas fréquenté route mal passe, moun pas fait zone ça, et le fermé pour n'importe 4 mois. Vous avez bien ça, me dit, hein? La mois sans jour, cap dirigé, basse 400 maozo, dans Croix des Bouquets. Monsieur Bay Lord, que le passé pour le dire, aucun monde, quel que soit t'es à pied, ou t'es sous moto, ou t'es dans machine publique ou privée, machin qui va l'acheter mal passe, lui passe l'ordre pour que vous pas fréquenter zone ça, et il dit la ferme pour n'importe 4 mois. Kouya, m'bral kade, entre autorité qui l'a yo, est-ce que c'est autorité, est-ce que c'est chef, ou dis-moi, est-ce que l'amour sans juste c'est lui-même qui chef là? Parce que je dis en pile froid les nègres dit à fois que c'est au fait. La mensonge je t'ai dit l'a crasé prison quoi des bouquets l'écrasé. Li t'ai dit que l'a crasé commissariat l'écrasé. Je dis en là nègres déjà crasé commissariat Gantier et mes kounia me dit que li pas bail l'autre pour moun passer dans Gantier. Non mais normal passe dans zone ça. Est-ce que l'a dit que Ramon Normil et l'amour sans joue, qui est-ce qui c'est qui a obligation pour protéger vie et bien monde? Qui est-ce qui est légal pour protéger vie et bien monde en deux pays? Entre DG Ramon Normil et bandit l'amour sans joue. En même temps, tout des Ivenes, gagne un sénateur, Edwin Daniel Zeni, que tout le monde connaît sous nom Edo Zeni. Monsieur Salambe, un acteur coulu Gérald Gilles. Monsieur Salambe, conseiller présidentiel, yo. Surtout n'est que nous cité dans des scandales de corruption. Et monsieur dit ça pas étonné, parce qu'il était déjà connu avec qui est-ce moun que yo yé et qui est-ce moun sa yo yé. Je dis à la petite désir, ensemble de points sa yo, bon côté PAM, que nous pral analyser yo et nous pral chita dans mitan kalfo avec chez nous. Pour que nous capables porter Timo Solimé ba zemeter nou yo pour capable tendre ensemble de déclarations sa yo pendant que nous même tout bon côté pas nous nous pral analyser nous pral questionner et nous pral éclairer antenne chaque grain de monde qui va regarder émission ça des Ivenes. Monsieur est certain que bon côté pas ou bravin avec ensemble information et surtout la carte dans la Tibonite. Très bien, Blaise Peterson, tant que j'ai dit la situation insécurité dans tout pays a pas changé, données toujours été même pareillement, c'est car situation monde qui vivent dans le département la Tibonite respectivement dans la commune Petite Rivière, Liancourt, Verrette, La Chapelle, nous avons connu des situations qui extrêmement difficiles par rapport avec la terreur que bandi bas grand griffe bandi coucou à Saras installé dans zone cela depuis plus passé 5 années. N'a dit pendant état d'urgence sécuritaire lancé par l'état haïtien vous dit que situation qui est là, elle est dépassée, elle a besoin d'état d'urgence. Petite rivière de la Tibonite, route nationale numéro 1, Verrette à Liancourt pour la Tibonite, pratiquement fait partie décret qui était décrété état d'urgence sécuritaire. Là. En blessé, personne n'a dit au journée dimanche, qui était 28 juillet 2024. Là. C'est ça, bandit, grand griffe oublié. Yo, pas fait. Dans le bout petit rivière la Tibonite, yo tape trois coups de zam avec ses lignes résistance ou autodéfense qui pratiquement la communauté. Vérissienne à communauté Liancourt-Troisa. Yon citoyen perdit la ville pendant le temps dans jardin et on bandit rivé recevoir balle pour vendre al dans soin que cal nécessité. Pendant autorité au plus haut niveau dans l'état décrété état d'urgence sécuritaire dit situation dépassée. Faut qu'au moins gagne yon l'autre disposition qui prend par rapport avec problème sécurité ça pas empêcher les personnes bandit bas gang griffio sous quatrième attaque consécutive. Sous commissariat qui trouvait sur route nationale numéro 1 dans la localité Pachoual. Dans la soirée samedi, ou l'ouvri dimanche, bandi yo installé appareil de sonorisation yo, yo vini avec lumière yo, yo fait
quantité de musique qui était dans l'idéo, yo bois quantité d'affaire qui était dans l'idéo, dans niveau Kafou Pay, pendant Idmo, qui cantonné dans base principale pour balati bonit dans sous-commissariat, pas choual, dans Ponsonde, yo pas qu'à faire rien. Qui ça fait pas qu'à faire rien? Eh bien, Brazil, c'est problème matériel, bon côté, la police, et recommandement la police, qui te moun sa yo à plein. Est-ce que, Nomil Rambo, comme le directeur général de la police actuelle, est-ce que Gary Conny, comme le premier des policiers en tant que chef CSPN pendant et KSN nan, pour commettre sous pied, est-ce que le temps n'y a pas de temps, une quantité de policiers mourir? Combien de monde qui a pas de temps qui pour mourir dans le département de la Tibonite pour au moins qu'ils viennent voler au secours citoyens qui dans le niveau département cap monté le ciel pado par rapport avec situation difficile qui lié à question insécurité à la situation qui rend des monde qui a mouru la caille à grand goût soif yo pas déplacer parce que ensemble des zones yo entouré avec bandits qui des armes dans main dans niveau national samedi qui se passe à la situation et les amis internautes nous besoin qu'on est IRCC te fouillé local BM Padio y aller dans espace yo chercher investigateur yo c'est les plusieurs bureaux qui gen là-dedans comptabilité ak zone d'informatique. OK, dans espace ça yo rive prendre décision si là c'est après premier ministre Gary Conny te font visite il te déclaré mandé ILCC il crève et pour supérieur des comptes pour essayer notre fond budget parce que senti gagner zak de corruption qui a fait dans zone là et ou fait quoi gaz perdu pour plusieurs millions de dollars dans espace là. C'est des situations qui paraissent très graves. Chaque monde qui vient dans l'État, il prend un coup de bœuf, papa, il continue à fouer, mais il fait peut-être au plaisir, pas de la population connaît des situations qui sont très difficiles. Non, ça qui vient pour elle, avec présomption d'innocence, eh bien, secrétaire général, parti politique et DEA, il fait quoi qu'il n'y ait pas abandonné Smith Augustin, même Jean, Takoujan et divers secrétaires à travers le département qui représentait le parti politique qui était demandé, secrétaire général, là, pour le retirer. Smith Augustin, pour ça qu'elle vient qu'à peser sous dol comme accusation de corruption. Eh bien, le secrétaire général l'a dit, il t'a senti c'est la champille. Si tu as décidé d'abandonner Smith Augustin, tout simplement, pour t'y crasse, accusation qu'il a fait sous dol. Il m'a dit avec autorité dans le plus haut niveau, où il a mené enquête, et après enquête là, il a dit qui ça, il a voulu faire sous ça. Sous ça qui concerne la question insécurité, syndicat police nationale d'Haïti, SINAPOA, lui attire attention. DG Police Nationale là. Il a attiré attention DCPA, Direction et Centrale Police Administrative. Il a attiré attention tout la situation DDOD. Il a attiré attention directeur personnel policier pour faire un coup de jet sur ça qui a passé dans la commune en Sagalé, dans Lagonave. D'après constat syndicat fait, il y a un problème effectif qui posait sous Ilea et doit gagner une décision rapide qui prend qui cap permettre que policiers si là sans doute, parle qu'on est situation très difficile parce qu'on graine deux graines policiers. Nos zones, qui ont fait plus que semaine, songez qu'elle parle en pied famille, qui vous portez bagaille bali. Il pas touché à temps. Même qu'elle touche côté l'IA, c'est pas la lap qui a touché. Ça qui a brisé qu'on joue un policier, ça, Albert, dans sa qui vient pour avec question corruption. Emmanuel Vertilaire, c'est un refonctionnaire l'État. OK? C'est à travers recours de justice uniquement que vous calmez dans d'elle. C'est au cours de cassation de justice, c'est ça. Et il y a un avocat, et M. ça a déclaré la situation, M. a mis des pièges, il a mis des mailles. Peuple haïtien continue à plaindre, peuple haïtien continue à prendre une situation très difficile. Dirigeant Force Canapé, nous voulons parler de Reder Nonsan. Nous sommes venus que c'était passé un mauvais moment, en bas, et commissaire du gouvernement Port-au-Prince, en présence de policiers, a maltraité monsieur. Eh bien, monsieur qui levait voile, pour demander avec le premier ministre Gary Conny pour mettre Canson dans taille dans quatre batailles qu'elle a mené pour la sécurité en dedans pays bien que moi-même ou même et tout le monde qui a regardé captain de yo je t'a demandé qui côté Gary Conny a bataille pour mettre sécurité en dedans pays moi-même avant moi pas elle parce que jusqu'à présent ensemble axe toujours été barricadé militant politique là dans occasion dénoncer diversion le dit qu'a fait côté plusieurs conseillers présidentiels épinglés dans tentative extorsion kidnapping à ciel ouvert sous président conseil administration BNCA pour te prendre 100 millions de gouttes dans mel. Et bien, bah, l'OBPT, et songez tout, yon responsable
parti politique PHTK, parti haïtien tête Caleb Lobis, qui entendu la situation, qui dénonçait sans. On a parlé de Lini Balthazar, qui lui-même t'a même dit que qui est un conseil présidentiel, qui même mettait pression pour avec un particulier, un monde comme ça, on a capable de dire proche lui, pour un passeport diplomatique, alors que monde ça va rien pour avec diplomatie haïtienne. Mm-hmm. On a parlé de Lini Balthazar, qui parlait de un conseiller qui t'a mis pression pour un proche un passeport diplomatique. Oui, oui, un passeport diplomatique. Bon, nous pas qu'à dire, on seul, parce que nous ne savons pas combien. Mm-hmm. Lini Balthazar. Youn nan Mazozon qui dans parti politique qui est le PHTK parti haïtien tête Caleb Lobis et yo passé là au Caleb tête pays a bobisé on se retrouve côté mon pratique dans situation extrêmement difficile li dénoncer ça là et Yves Célestin ancien député tout dénoncer 25 millions de goud qui débloqué pour nèg ak femme qui fait partie conseil présidentiel transition pour meuble caill en plus on a posé cette question. Est-ce que n'exerce pas trop grand monde la caillou? Est-ce que les autres mariés avec madame, si vous mariez, vous allez être en meuble caillou avant de rentrer là-dedans? Ou bien, est-ce que c'est senti ou senti que même vous êtes trop ancien, vous n'avez pas de remplacer vous? C'est dans l'état. Il y a là, c'est là deux gros maisons confort qui sont en Haïti, qui ne pas citer non parce que vous n'avez pas payé pour ça. Il y a deux gros maisons confort en Haïti où vous allez acheter meubles. Moi, je suis certain que vous faut que vous à l'acheter, mais parce que vous n'avez pas de 40 grand à l'acheter. Vous n'avez pas de chéroté. Après, vous êtes content comme sénateur, comme directeur, comme gouverneur de la Banque centrale, vous êtes bien, 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 vous êtes. À partir de ça, il y a bénéficié de m'élever dans l'État, dans la corruption, pour changer les conditions de la vie. Parce que je connais si madame, si cette madame ou bien Marie, comme vous avez fait là-dedans, ce n'est pas la présidence qui a payé, qui a baillé manger la caillou chaque jour pour le monde gagne tout partout. Je connais une situation très difficile, bien sûr. Désir, vous avez une situation passée dans quoi d'émission, qui est avant que nous en détail dans le dossier ça. Dans la journée dimanche 28 juillet 2024, là. Mais dans la zone quoi d'émission, zone bon l'église quoi d'émission, c'est vraiment préciser ça, que collaborateur nous Claude Nadé Antoine de partager avec nous, mais gagné on dit quelques chablende qui ont même tap sillonné zone là, puisque nous est dans zone quoi d'émission, c'est presque chez mes chez contrôler zone ça. Mais pendant que chat tap sillonné zone ça et les arrivés zone bon l'église, on apprend que des blisènes qui courent, les wesh a privé, bon. Ne pas connait qui est nèg ça oui, est-ce que c'est de monde qui en a fait ou pas, pas connait est-ce que c'est Jean Chat apparaît là quel nèg yo cassé nèg yo pé nèg yo pété courir, pas connait mais dans pété courir hein gagné un jeune garçon prend balle peut-être gagné monde qui t'a fait connait que c'est dans boucan te coup d'âme avec chat et dans courir nèg yo tout qui fait comme si nèg ça mouri ça et ça on premier parole t'a dit à bien dire et mais gagné le Paul qui t'a dit que nèg yo pas gagné rien pour toi avec question. Et les qui t'as beaucoup écouté avec la police, mon qui était dans chayo, bon, il s'est dit, mais il dit que pendant négo couri, chaque élève possible et gain un qui tombait. Et par la suite, tout après le gain, ça en apprend. Il y a l'autre monde qui tombait devant et entreprise ça qui est le Caleb supermarché qui va trop loin et l'église quoi des missions, hein, Andad qui va trop loin pour quoi des missions. Hein. Ça arrivait, je n'ai quitté dimanche. Et 28 juillet 2024, l'ensemble interne, nous, d'après ça que nous-mêmes, nous apprenons. Bon, là encore, question qu'a posé, ce n'est pas opération occultée, parce que ce n'est pas opération que la police t'a mené avec, on dit, force de l'ordre t'a mené, et pas opération. Peut-être que vous t'avez sillonné zone, non, vous t'avez supervisé zone, non, vous t'avez monté des scènes dans zone, non, c'est pas oublié. Depuis 29 février 2024, zone ça c'est des zones qui pas gain vraiment présence et force de l'audio en permanence. Ça veut dire que pas gain commissariat qui camper, pas gain point fixe qui camper, ça veut dire que c'est presque chablende qui a fait monter descendre et qui qu'on a boucaté zam avec bandi armé yo dans bloc ça. Qui donc est-ce que moun ki mouri yo
yo ta gen pouwe avec deux groupes armés qui a contrôlé les zones que nous pas connaît, mais n'a seulement dit que gen deux moun qui mouri dans journée dimanche qui était 28 juillet 2024 là. Est-ce que c'est un affrontement que nous pas connaît? Ça me connaît que moun sa qui mouri, yo mouri dans moment que j'ai que information devine joine nous à les un chat débarqué dans zone là, moun pété courir, balle pété, moun prend balle et moun mouri. Me devle dit ça clairement, même pour maintenant que dans émission mi-temps journée avec collaborateur nous Claude Antoine, n'a vienne avec plus d'état concernant sa crivée dans zone croix des missions. Et ça qui était paralysé activité yo dans bloc ça. Et DG la police là et DG la police Ramon Amil mettait avec popol la police qui c'est exactement et n'a parlé exactement de et Michel Anjouzien, yo déterminé, yo motivé pour capable contre carré action bandio et quelle que soit condition la police clairement dit que à travers PM Gaïconi à travers tout l'autre responsable yo fait connait que la police l'état pas perdu bataille là et nous clair sur ça selon ça dit en tout cas PM Koni clairement dit que l'état a pris pour contrôle pays en ville en ville en quartier en quartier jusqu'à présent mais l'état beaucoup j'aime prend rien là pour moi jusqu'à présent là l'état beaucoup j'aime prend rien l'hôpital général yo dit était pour contrôle. Mais les beaucoup jamais capable fonctionner en bas la ville là malais pour capable fonctionner elle dit vraiment en termes de la vie pourquoi capable reprendre dans sans ville paysan pendant ces temps qu'on sait déjà que 3 mois et PM Gaïconi déjà que plus que 1 mois et de Gérard Amil déjà que plus que 2 à 3 semaines qu'il va aller là il va commencer partir sur là donc je dis là est-ce que nous qu'à continuer à être dans l'espoir, nous qu'à continuer à espérer, et c'est qu'à continuer à être tant pendant ces temps nous est comme si pire gros volonté n'est que ça qui là, c'est faire élection. Pire gros volonté c'est faire élection. C'est les priorités là. Et les plus importants pour le moment. Alors que gon peuple qui va qu'à manger. Gon peuple que je dis hein, m'a dit mettez dehors la caillou dans ca feuille. Je dis un gon kip man femme actifi que bandi violé et qui je dis un soit qui tombe enceinte ou dis moi est-ce que cap vivre avec de maladies infection la caillou est-ce que vous comprenez si moun yo ko plein gal plein bouton plein la gratelle parce que côté au descend côté au enceinte et permanence a que yoyé y a mal mangé y a mal dormi regardez yo dans mauvaise condition. Alors, ce que t'en dis, conseiller, a mette pression, y a demandé 100 millions de goudes, y a décaissé 25 millions de goudes, y a décaissé l'argent pour, et comment, apaisement social, pour assainissement, n'est qu'y a blanchi l'argent, n'est qu'y a volé l'argent. Pendant ces temps, c'est l'argent taxe, malé, région, c'est l'argent contre qui blabio dans l'ONA qui n'est qu'y a volé dans le moment. Est-ce que, ni PM Gaïconi, mettez avec conseil là, est-ce que tout sous bluff, moi m'a dit oui. Ni PM Gaïconi, ni conseil présidentiel yo yo tout sous bluff ce qui ban bluffer que yo ce qui ban coquer que yo ye parce que jusqu'à présent là nèg yo composé rien comme action sérieux y a fait bluff y a fait bay pa yo y a fait raquette bay pa yo nan vann pouvoir nan vann poste goumé parce que attendez gen bataille k'a fait la pour jé pour craser conseil là et gen bataille k'a fait pour craser et gouvernement là nan tout ça yo qui côté Haïti ye? Est-ce que Haïti n'a mis ta discussion yo? Est-ce que l'intérêt peuple ça n'a mis ta discussion yo? Est-ce que l'intérêt pays ça n'a mis ta discussion yo? M'a dit non moi-même. Parce que tout nèg qui là yo, y a réglé intérêt yo, y a réglé ça affaire personnel yo, y a réglé bagarre clanique yo, y a réglé bagarre ticoulout yo. Mais non pas bagarre pays des Ivenes. Avant que m'avance avec vous, c'est vrai que en pile coffre et permet que moun yo tande déclaration que l'en mensonge yo fait hein. Moun ki ça l'a fait, n'a passé le tout nous-même. Parce que yo bagarre qui dit Malé averti patrouille Kokobe. Malé averti patrouille Kokobe. Mais si Kokobe a rebelle tout, ça rivel rivel. Puisque nous capable remarquer depuis 2 3 4 l'année, c'est bandi armé qui gè voix au chapitre. C'est bandi armé yo, les qui yo di a fon bagay que yo fèl. Elle dit, yo pa pran li les Ariel Henry té là, yo pa pran pour rien sérieux. Et vin mette avec équipe qui la yo, yo plus pas prêt pour rien sérieux toujours. Et ça fait nous croire que li plus que important pour que nous permettre avec zami yo capable tendre comment que la mort s'en joue. Comment que la mort s'en joue, les prend place autorité yo parce que